chers téléspectateurs, nous sommes aujourd'hui présents pour rendre un hommage poignant à la vie exceptionnelle de notre très regretté maestro Gérard Chéri. Nous sommes surtout honorés de la présence de la famille, des collaborateurs, des entités et des médias qui ont consenti à faire le déplacement pour partager avec nous ce moment significatif. Bienvenue à la célébration de la vie en mémoire de notre regretté maestro. Nous allons profiter de ce moment de rassemblement pour observer un moment de silence en mémoire du maestro Gérard Chéri. Après quoi sera suivi par la prière qui nous unira dans la réflexion et le recueillement. Nous appelons la doyenne de la faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université Notre-Dame d'Haïti pour ses propos d'introduction. Comme vous le concevez bien, c'est avec beaucoup d'émotion et de tristesse que je prends la parole. Pour la FMSS-UNDH, l'Église catholique de cette université. Il est là tous les matins, il fait la prière, il est là pour toutes les messes, mais jamais fatigué. Il est infatigable et on n'oubliera jamais. Gérard Chéri, je l'ai connu très jeune, je l'ai connu avant Notre-Dame. Il est resté lui-même égal à lui-même. Rien n'a changé, il est resté le Gérard que j'ai connu. Donc, je suis encore fier aujourd'hui de lui remettre ce certificat. Malheureusement, Guido n'a pas les images. Et dans ce certificat, je le remercie pour son dévouement, sa collaboration et tout ce qu'il a apporté à la faculté de médecine et à l'Université Notre-Dame en général. Donc, au nom de l'Université Notre-Dame d'Haïti, au nom de la faculté de médecine, je présente mes condoléances à sa famille, à la pastorale, aux étudiants et à toute la communauté étudiantine de Notre-Dame. Je vais pas rester trop longtemps, ce n'est pas pour faire un long discours, c'est juste pour introduire cette cérémonie d'hommage que nous devons bien à notre cher maître. Je vous remercie.
témoin de la bonne relation qui existait entre le maître Gérard Chéri et l'Université Notre-Dame d'Haïti depuis plus de 20 ans. Nous appelons à présent le coordonnateur du Comité central des étudiants dans ses propos de circonstances. Honorables membres du rectorat, honorables membres de l'UDERS, honorables membres du décanat et de la pastorale, chers membres de la famille, chers amis, chers collègues et aînés, distingués invités, chers téléspectateurs, au nom de toute la communauté étudiantine dont je suis le représentant aujourd'hui et en ma qualité de coordonnateur du CCE, je vous présente toutes mes sympathies. Monsieur Girard était un talentueux chanteur, compositeur et danseur. Nous avons eu la chance d'apprécier son humble travail au sein de notre faculté et des autres entités de l'UNDH telles que la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, FLESH, la Faculté des Sciences Économiques et Politiques, FSESP, la Faculté des Sciences Infirmières, FSI, et d'autres entités de l'Université d'État et d'autres entités comme l'Université de la Fondation Dr Aristide et l'Université d'État, l'École Nationale des Infirmières de Port-au-Prince. Monsieur Girard représentait la figure emblématique de la pastorale de l'université et était un père pour chaque membre. Il savait reconnaître et apprécier les talents des jeunes étudiants tout en les motivant. Il avait une fameuse phrase, « Les enfants du bon Dieu ». Cela a marqué pas mal d'entre nous au sein de la communauté. Sa perte est une véritable tragédie pour la FMSS. Nous tenons à exprimer nos plus sincères condoléances à sa famille, particulièrement sa fille Luce Isabelle Chéri, qui était parmi nous dans la faculté de médecine et qui a fini cette année, je crois. Tous ses proches, tous ses amis, tous ses collaborateurs, collaboratrices, que son âme repose en paix et que ses œuvres, son charisme continuent d'inspirer chacun d'entre nous. Nous garderons toujours le souvenir du maestro Chéri dans nos pensées. Toutes vos sympathies. Des témoignages, d'autres témoignages émouvants sont à venir. Et permettez-moi d'inviter sur scène Madame Claire-Cille Saint-Hille, qui est trop émue pour s'exprimer. On va devoir se passer du témoignage qui aurait été plein d'émotions. Et nous faisons place à un autre témoignage, mais ce sera un témoignage numérique, malheureusement, car la personne n'a pas pu faire le déplacement. Mais heureusement pour nous que nous avons la technologie à nos côtés. Je suis Jean-Lucien Négondé. Comme vous le savez bien, j'ai été contacté par mon bon ami, Dado, pour parler de la relation que j'ai eue pour rendre hommage à Gérard Chéri, que vous connaissez tous. Gérard, comme vous le connaissez, comme vous le savez, et c'était, comme je disais, c'était l'homme à la voix d'or. Pour moi, dans l'église catholique, Gérard, c'est l'homme qui a la plus belle voix. J'aime dire que Gilbert a le plus d'option. Et en termes d'animation, mais Gérard Chéri, pour moi, c'est celui qui a fait la plus belle voix dans l'église catholique. Gérard, c'est un maestro complet. Il pouvait écrire la musique, lire la musique, composer des textes assez profonds. Donc Gérard, c'était un artiste extraordinaire. Mais Gérard, il y a des bagages que tout le monde va prendre de Gérard, que moi-même, que Paris Vélé Nassoya, pour rendre hommage à ce grand homme, à ce grand musicien que je suis. Avant tout, laisse-moi commencer par parler un petit peu de comment j'ai découvert Gérard. J'étais à mon bureau, j'étais au début de l'ouverture de Notre-Dame, comme je m'en disais, c'est moi qui écris le projet de Notre-Dame, on est dans Notre-Dame d'Haïti. Gérard est venu me voir, on était au début de la fondation de Notre-Dame.
de la première année à l'Espagne. Et là, Gérard m'a dit qu'il avait un tas de chants qu'il avait composés avec Marianne et son ami, et qu'il voulait chercher quand même quelqu'un qui pouvait le subventionner. Parce que personne ne voulait débarquer la chérie pour moi, pour composer le premier album. C'est ainsi que l'impulsion de chanter sur moi, mais en cœur, car il est la chance, comme catholique, pareil, mon cher, j'ai pris un chef, j'ai payé tout l'album. Bon, l'enfant sera capable de mettre moi les sera capable de mettre gage. Je pense que Gérard m'a aussi 30% des fonds. Il a gardé 70. Bon, c'est moi qui étais d'accord également. Et puis, moi, je suis sans elle. Comment récupérer 100% des fonds d'un album, du premier album de ce grand maestro qui était connu dans les fonds. Donc, par la suite, je vais introduire Gérard dans le nouveau programme. Mais vous dites au niveau, et Gérard commence à chanter les premiers chants des thèmes des congrès. Donc Gérard a chanté une dizaine de chants pour moi. Une douzaine de chants, de thèmes de congrès pour moi. Et c'est là que Gérard a commencé à être connu dans l'église catholique. Et Gérard va devenir encore. Et je vais également donner une force à l'université Notre-Dame à Gérard. Comme j'étais directeur des affaires étudiantines avec le nom de doyen et fondateur de Notre-Dame, donc j'ai donné un poste à Gérard, à directeur des affaires étudiantines, et spécialement il était responsable de l'animation des jeunes, de la chorale, de la préparation des jeunes à la musique, orientation des jeunes, et il aidait la direction des affaires étudiantines sur beaucoup de plans. Et à un certain moment, j'écris Gérard également dans ma firme privée. Gérard travaillait également dans ma firme privée, également pendant qu'il était en dedans, et c'est le deuxième emploi. Donc c'est pour vous dire que j'étais resté la rue pour gâcher et autres. Donc c'est quelqu'un avec qui il était en même temps, Gérard était dans le bourgeois avec moi, il nous mettait de l'animation. Donc c'est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup géminé, j'ai un jugement. Avec Gérard également, il a participé au symposium avec moi à Boston, chanté à Boston, animé à Boston. Donc Gérard, c'est un frère que j'aime beaucoup, pour qui je prie chaque jour depuis sa mort. Moi, j'ai passé près de 6 heures lorsque j'ai entendu la nouvelle de son départ au Père du Ciel, à ne faire que me plaindre. Une souffrance terrible. C'est comme si l'estomac comme agrippé par une souffrance qui va être capable de sortir. Gérard, c'est ce frère bon que me déconner, mon aide. J'ai été bon monde, bon garçon. J'ai attiré mes mondes, j'ai attiré mes musiques, j'ai attiré mes mondes. Vous comprenez? Un grand musicien, un grand artiste comme Gérard, un grand artiste comme Gérard, il va être capable pas bon. Un artiste est ordinairement un homme bon. Donc moi, je garde de Gérard et lui. Ce grand artiste, la plus belle voix de l'Église catholique qui est partie d'Haïti. Et je dois également, comme tout le monde de Gérard, cet homme bon, sincère, qui, une fois à tes côtés, eh bien, était toujours sincère et honnête. Un très bel chant qui est chanté par notre grand maestro Gérard Chéri. Et malheureusement, enfin avec Sonio, dans le jour qui était 3 janvier 2024, là, nous apprenons Fréno qui allait. L'aller vers la maison du Père. Il prend devant, puis nous mettons derrière. C'est une nouvelle qui est vraiment triste. Qui est vraiment triste et qui marquait tout chrétien. Qui est habitué à chanter. Bel répertoire que. Fréno, grand maestro Gérard Chéri qui était pour nous. Depuis le petit, il a chanté. Mais c'est dans l'année 1999, 2005 à peu près, c'est dans l'époque ça. Donc nous avons fait connaissance, surtout dans nos congrès charismatiques, côté que Gérard Chéri chantait plus fort, thème.
Mais thèmes yo étaient interprétés yo étaient composés par notre grand frère Jean-Lucien Lugondé. Frère Ali prend devant maestro et marqué nous dans l'église. Yo n'a pas gros projet que maestro chéri te gagné, c'était prendre tout répertoire chant yo, tout chant yo net pour te mettre dans livre et puis pour ta faire session des chants. Session chant non seulement au niveau pays d'Haïti, tout pays à net, mais aussi à l'étranger. Frère, nous, lui-même, nous prenons devant, nous-mêmes, nous derrière. J'ai racheté chanter un pile, bel chant, qui t'aime bien dans ce slan, revient. Okay? Donc, bon paquet de bel chant que lui-même, les chanter, que lui-même, les fait dans le groupe 3. Donc, dans nos 14 pincards, nous souhaitons que la famille chérie, j'ai condoléances. Nous souhaitons que le nouveau charismatique, une chère condoléance aussi, parce que il était influencé, non seulement influencé, à travers Chanlio, un peu le monde vivre spirituellement, Chansal. Nous disons, trois groupes étaient fondés, chère condoléance, surtout dans le nouveau paroisse, notre là du perpétuel, ceux qui ont été fondés, pas été fondés, même, ils ont choral. Et on était fondés dans un fleurio. Nous disons, toute famille Sayo, chère condoléance. Et nous disons merci avec Frère Marco Elias, hein, qui te prend tout le temps, non seulement pour t'interpréter, changer la chérie avec belle voix et nous disons Marco Gagné, mais tout, non seulement interprétation, mais tu fais une belle interview hein, qui était marquée comme image, comme dossier hein, au niveau de Frère Gérard Chéri dans Télé Alta Grâce. Dans nos catholiques plein de cœur, nous disons toute la famille chérie, tout le monde qui a l'habitude d'entendre les chants de grand maestro Gérard Chéri, chère condoléance, qui n'est pas la guerre, on l'a prié pour que mon Dieu lui-même puisse se voir nommé en paix. D'amour d'éternité, virtuose des arts, compositeur magistral, danseur étoilé, artisan des émotions en son talent enveloppé, auteur d'albums, chaque chanson est une prière. Élevant les âmes douces, mélodieuses et légères. Sculpteur des instants immortels, il modélait les sons. Chaque album, une fresque où l'âme trouve sa maison. Son art, une offrande, un hymne à l'infini. Son œuvre, une chapelle où l'âme s'applique. En chaque accord, l'écho d'une foi profonde. Sa musique, une liturgie où l'âme répond. Couturier des rêves, tissant des étoffes d'espérance, ses notes, des fils d'or, brodant l'espérance. Ainsi, M. Gérard Chéri, maestro de l'âme et des sens, gambade désormais parmi les étoiles en silence. Que les anges dansent sur ses compositions, accompagnant son âme vers d'autres dimensions. Guito était l'un, si l'on peut dire, des petits protégés du maestro. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose? Moi, je suis à pied chez le maestro. Avec Jésus, ça va avancer. Ok. Alors, que nous sommes capables de saluer. Bonsoir. Est-ce que c'est Guito? C'est Guito et Yo étudiant ici. Hein? Et monsieur ça n'a pas gardé là et qui jodi hein qui pas présent et n'a vie qui soutient ça là encore donc rencontre moi même avec c'est pas dans entrer ici en l'aime dans première année donc tu gain toujours gain une tradition depuis entrer promotion qui entrer hein il a blé nous et puis il y a une cérémonie à faire pour nous. Il y a besoin comme si parmi nous qui pouvons faire performance. Mais c'est une façon de utiliser pour découvrir les talents et les gens qui font venir. Et ça a bien comme le talent à côté de ça au café dans la vie comme il. Et bon chance et malchance pour moi et quelques camarades dans la promotion. Qui ont une photo? Photo avec une guitare donc qui te voulait pour me jouer dans l'activité. Mais moi-même, je voulais divorcer avec musique.
tout. Parce qu'avant de venir en médecine, c'est une première étude qui m'a fait. Et me dit que je vais concentrer ma médecine, donc je ne vais pas jouer guitare, donc c'est une photo me fait comme ça. Et puis elle dit maestro ça. Les maestro, elle me vient parler avec pour me jouer une activité. Elle me dit que je ne vais pas jouer. Et c'est une guitare me fait une photo. Et puis, je viens de chaque jour, je viens là chaque matin. Dans la vie, je viens de maestro tellement jouer bien, tellement chanter belle. Je ne vais pas arrêter sans pas m'en dire. Pour me faire pour me fondiment et guitare ça et puis un jour matin donc tout réticence m'a fait arriver pété code et puis m'a bouché maestro me dit maestro comme ça et bon fondiment et bon médo ranger bah ça et puis me prend et me fait une bagaille bon qui est extraordinaire qui pour niveau me gain l'aime l'école musique et puis et me charme maestro avec ça me fait. Et puis c'est là elle a dit oh artiste sous guitare là ça côté guitare ça fait faut venir jouer avec moi là faut venir accompagner et d'ailleurs si mon yo remet ça les OS étudiants pareil yo qui a joué qui a procéder des bagailles et puis me dit ah je voulais pour camper sous musique parce que me plus besoin concentrer moi avec étudiants m'a fait il dit non mon cher fais venir à guitare bah ça donc il parlait avec moi il tombé parler de Kenel Antoine donc on paquet et gros musicien haïtien ou étranger donc et puis il rivé convainc moi me fait docteur Elvarin pote guitare yon nan mentor ki me gen tout et puis li pote l donc c'est là covid 19 pral entrer donc m pral wè importance sa maestro te fait pour moi côté ki me fait menon kay mais seul chance te gen pa tete di guitare te avèm et dès lors m commence à jouer et m'a poste t'as des musiques jouées et puis ma poste et puis camarades moi l'autre petit monde qui est en promotion commence à féliciter moi je dis au gain talent car je bah ça oui et puis au gain talent et puis on commence à découvrir et puis il finit par intégrer dans activité l'école là les games ou bien les fêtes universitaires maestro dit ah faut là faut venir et sous point ça maestro Girard chéri c'est un monde il toujours voulait mettre nous-mêmes qui gênent, ou bien n'importe monde qui a l'autre talent, livre c'est eux-mêmes qui vous dévancent. Ce n'est pas un monde malgré tout ça qui a comme talent, comme dimension artistique, ou bien niveau l'idée dans la vie, il n'y a pas de jamais sous-estimer le monde. Donc, depuis la fond bagaille, il est poussé au devant. Et c'est pour raison ça, on a pour tout, nous pas de trop d'image. Il n'y a pas de monde qui te remet trop, exposé tête, il remet faire photo, remet et faire vidéo, ça l'a fait. Et c'est peut-être une raison tout, malgré qu'il y a des milliers de musiques, nous pas jouer comme si, je ne sais pas si maestro a 20 vidéos ou bien même 10 vidéos qui shootent. Donc, c'est une raison qui fait ça. Ce n'est pas un monde qui est trop fanatique caméra. Mais il est toujours voulu, il est là pour bagaille pour le sortir propre. Et puis, nous venons jouer. Venons là, il y a quelques images, il y a un côté de la benga out. Et je pense que si je mettais là, peut-être que je ne pas finir dans la salle à assister. Donc c'est une raison. Je quitte au côté, oui. Je faut garder en attendant. Et je pense que c'est souvenir peut-être personnel. Et puis une raison, tout je ne veux pas violer confiance. Parce que j'ai une vidéo à photo, je fais. C'est VMV, je fais. Donc ce n'est pas du consentement que je fais ça. Donc je ne veux pas venir venir, je vais exposer et puis. Et puis nous avons joué, Et puis maestro fait un paquet d'expérience, joué dans une série de l'église catholique. Bon, bien que moi-même pas catholique, donc mais toujours prends part dans l'activité catholique avec maestro, l'intégré. Et maestro pas pour contre lui, l'a pas intégré. Et c'est je ni avec une âme qui gagne une grande importance pour moi encore. Donc qui c'est madame Cécile Lépine. C'est mon ça qui accompagne, qui prend et par la suite côté que me pral yo prend pral venir avec un frère que me gagne ici qui c'est Philippe Sandez Steph. Et nous continuer faire outre avec maestro, on a joué un paquet d'activités, des activités qui gagne outre Wood Boy, Parc Saint-Thérèse, des activités Mariotte nous jouer ensemble. Image là, vidéo là mais regardez au moins.
Et c'est toujours un plaisir les bons côtés maestro. Prends pas les des maestro, ça t'apprend et peut-être tout restant gain pour vivre sous ça. Pour impact li fait dans vie, pour ça le représenter pour moi. Et c'est une raison n'a pour dernière activité de participer là avec maestro Gira chéri. Donc Chanis qui était dans pied maestro, son Chanis côté m'a dit ah maestro. Ah moi puis croiser pied. Faut prêter me croiser pied et puis n'a pris bagaille et madame c'est l'a chanté, l'a parlé dans mes ça avec nous. Bizarrement maestro ticket, regardez la face la partie, c'est vrai, les gratis là non même. Et puis c'est comme ça, c'est toujours un trip. C'est un monde même que nous comme si. Donc à 74 ans, nous avons dit que c'est un monde qui était assez âgé, donc ou bien qui était grand monde, je ne suis pas capable de dire. Mais c'est un monde qui est jeune dans l'esprit. 14 février, il a fait activité. Il dit, mais c'est pas venu à pile boucher, mais c'est n'importe quel jeune. Bah, il dit, jeune nous y est, et bon gens pour nous mettre. Et pour finir avec Texas, donc, c'est pas que nous avons un rêve. Pour me écrit pour maestro dans l'amour. Donc c'est peut-être raison après mi cabé dans acoustique et m'entreprendre un projet côté maestro au courant de tout ça m'a réglé. Et projet ça c'est honorer une série de monde qui marqué dans bien qu'il faut pas qu'être gros bagaille dans la vie ou pendant vivre. Et parmi monde ça yo maestro c'est un dans monde et qui était dans liste là. Et m'était venir côté le tout. C'est pas que me connais le t'appel d'accord les venir côté. Même t'es arrivé convaincu. Je dis oui, je dois oui ça. Parce que pour moi-même personnellement, il y a le monde qui pas fin connaît maestro en réalité, dans la dimension ça lié. Donc, pas tout le monde qui connaît maestro, c'est un danseur. Pas tout le monde qui connaît les concours. Pas tout le monde qui connaît maestro et un paquet de bagages fait un axe. Pas tout le monde qui connaît tout, un paquet de l'autre dimension. Tout. Et il y a un texte qui écrit. Ou bien gen album côté que gen touche pam sous li li t'a préparé pour li sorti là mi gen tout donné ça là et maestro Gira chéri nous t'a travaillé ensemble pour faire bagaille ça yo et texte ça m'écrit donc c'est un hommage Jean Noël là mais c'était peut-être rêve m'était gen pendant vivant pour m'était couronner. Parce qu'il a déjà fait ça pour moi, dans mi cabine en acoustique. Non seulement le rendre mi cabine hommage côté de mes vidéos ça et tout. Et puis il était tout honoré. Et m'était dans bureau d'hier avec lui m'ta remercier pour faire gratitude moi pour tout ça le fait moi. Il était pété crier les ça. M'était ouais toute émotion, tout sentiment qui était dégagé. Donc je me dis non parler de maestro Gira chéri. Et c'est toute une vie. Donc, pour ça, le représenter vous moi. C'est un très beau témoignage. Et la phrase que l'on retient, sincèrement, c'est que la mort ne va pas stopper l'amour que nous gagnons pour moi. Et j'appelle la faculté des sciences infirmières. C'est l'école des sciences infirmières, c'est ça. Je cherchais le F. Elle n'aura qu'à dire quelques mots, elle ne sera pas longue. Bonsoir à tous. Je réponds au nom d'Orné Larchard et en mon nom personnel et au nom de la faculté des sciences infirmières, nous présentons nos sincères condoléances à notre maestro. Je le dis bien, c'est le nôtre. Il a été aussi présent dans ma vie, aussi dans la vie de certes, toutes les élèves de ma faculté. Le maestro m'a appris de nombreux chants que je n'ai même pas connu l'existence parce que je vous l'avoue, je ne suis pas catholique de religion, mais j'ai appris à aimer cette religion, à la pratiquer avec lui et à chanter vos chants aussi merveilleux. Et en mon nom, comme je le redis encore une fois, et comme Dito l'a encore dit tout à l'heure, nous n'allons pas arrêter de l'aimer, nous n'allons pas arrêter de penser à lui, nous allons simplement savoir qu'il veille de nous, qu'il veille sur nous là où il est. Et encore toutes mes sincères condoléances à la famille. Merci. Je suis Jatika Aïcha, étudiante de la DCEM2. Donc, tout le monde parle du talent de M. Chéri, mais moi, ce qui m'a manqué, c'est sa gentillesse. Quand nous venons à la faculté de Notre-Dame et que nous sommes
de nouveaux étudiants en médecine, que l'on s'apprête à donner 7 ans, 8 ans, 10 ans de certitude de notre vie, et qu'on trouve sur notre chemin ce genre de personnes, c'est un booster. Monsieur Chéri est comme notre père à tous. Il a toujours été. Monsieur Chéri a toujours été là pour nous depuis le début pour la cérémonie de la blouse blanche. Il nous a toujours encouragés dans nos talents, quel que soit si la personne qu'on est, chanteur, danseur, guitariste, pianiste. Monsieur Chéri nous a toujours encouragés vers le bon, vers les choses positives. Il nous disait toujours « Bonjour, ma fille, mon fils ». C'est quelqu'un de très gentil. C'est quelqu'un de très gentil. Sur le chemin de la médecine, dans un pays avec tant de sécurité, où souvent on pense à renoncer, Monsieur Chéri est toujours là pour nous encourager. Et si personne ne peut le remplacer, ça c'est plus que le talent. Monsieur Chéri, avec beaucoup d'humanité, et c'est pour ça qu'on ne l'oubliera jamais. C'est vrai qu'il est mort, mais il restera toujours gravé dans nos mémoires par ses gestes, par sa gentillesse, par son amour. Et c'est pour ça qu'on lui rend hommage, parce qu'il le mérite. Non pas parce qu'il est talent, parce que c'est une âme, c'est un humain, c'est un être humain qui aime les gens, qui aime la musique et que l'on n'oubliera jamais. Monsieur Chéri, peut-être pas parmi nous, mais il restera toujours dans nos cœurs. Envers tous ceux qui ont contribué à rendre de cet hommage une réussite, et là je remercie les membres, l'équipe de la logistique qui a fait un grand travail, nos décorateurs, nos musiciens, les médias qui ont fait le déplacement. Je salue la présence de Télépetite Maman Marie. Je salue également la présence de Le Terrain d'Info qui ont été là pour couvrir cette cérémonie. Et nous remercions tout particulièrement la famille de nous avoir honorés de leur présence. Pour terminer, nous allons rendre un dernier hommage poétique. Je dis un dernier hommage dans le cadre de la cérémonie d'aujourd'hui qui consistera en un lâcher de ballon. Nous allons nous rendre sur la cour de la faculté, accompagnés de nos ballons et des décorations que nous avons eues en la mémoire de notre maestro Chéri. Et nous allons lui rendre un hommage sincère, porteur de nos pensées et de nos adieux respectueux. Sans limite, la guerre on embrale, on va comprendre.
l'amour bon Dieu, l'amour bon Dieu, a aimé si, qui sans limite, la vie en embral, on va comprendre, l'amour bon Dieu. Bouquet plein hier, bouquet mandé, fini chanter, fini danser. Merci de disposer vos cœurs et vos pensées. En ce moment de peine, les mots nous manquent pour exprimer vraiment nos gratitudes envers notre frère, notre père. Nous le confions maintenant entre les mains du Père du ciel, le maître de la vie. De le retrouver un jour, quand le Seigneur lui-même essuiera toute l'âme de nos yeux, lui qui nous aime, lui qui a aussi aimé et qui aime encore notre frère. Entre les mains du Seigneur, nous remettons l'âme de notre maestro. Nous remettons aussi sa famille, ses amis, ses proches, mais aussi notre université. Nous demandons au Seigneur non seulement de l'accueillir, mais de continuer à veiller sur nous qui sommes encore là, sur cette terre, en pèlerinage. De continuer non seulement à veiller sur notre vie, mais aussi sur notre âme. Disons ensemble la prière des enfants de Dieu. Notre Père, qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer dans la souffrance, mais aide-nous du mal. Notre Mère du ciel, la Vierge Marie. La Mère du ciel, elle qui assure sur la vie de notre frère, elle veille encore sur lui là où il est. Confions aussi notre frère à notre maman du ciel. Je vous salue, la vie de notre grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Au Père et au Fils, sur ce qui se fait. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous.
et avec ton esprit. Que l'âme de notre frère repose en terre par la miséricorde de Dieu. Amen. Que Dieu tout puissant vous bénisse, et qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. À la mémoire de notre regretté maestro chéri, dans la musique, à traverser nos cœurs et dont l'esprit restera à jamais gravé dans nos mémoires. Que son âme repose en paix et que son influence perdure à tout jamais. On va se mettre sur la coupe de la petite ballon. Parce que les hommes vont retenir nos ballons malheureusement. Ça m'a fait plaisir de voir que vous avez vraiment aimé le manifesto et que vous allez participer avec votre cœur à cette célébration. Je vous remercie et je vous dis à demain pour les funérailles. Merci. Nos femmes, c'est Orny Lachol, étudiante en troisième année à la faculté FSI, faculté des sciences infirmières. Moi, présente la journée. De M. Gérard Chéri qui était un maestro choral FSI, faculté des sciences infirmières Notre-Dame. C'est avec un pile tristesse que nous avons appris la mort de M. Chéri, parce que nous avons appris un pile avec un paquet de chanteurs aussi belles les unes que les autres, surtout le son de faire voir que d'autres. Et nous avons salué le passage pour que les garçons sont sur terre. Nous nous rendons compte que la vie, aussi belle que l'histoire, est capable de vivre tout ce que ça a passé. C'est juste. Vivant au Konyam, nous avons souhaité que nous apprenions à impacter, parce que M. Chéri a impacté la vie, il a influencé de nombreux jeunes. Et nous avons dit qu'il y allait, mais les œuvres, mais moi, lui, avons été dans l'esprit de nous chaque. Bon, nous saluons les auditrices, les auditeurs de Radio Télé Petite Maman Marie. Donc nous sommes là aujourd'hui donc, pour célébrer la vie de notre maestro Gérard Chéri. En fait, moi-même, je m'appelle Mitello Clairville, donc je suis médecin. Je suis vice-doyen aux affaires estudiantines à la faculté des sciences de la santé de l'Université Notre-Dame d'Haïti. Donc, en fait, M. Gérard Chéri était un symbole pour nous à la faculté. Donc, on a besoin de rappeler les qualités, les atouts, les talents de notre maestro Gérard Chéri. Donc, chaque matin, c'est M. Gérard Chéri qui ouvre la faculté. Vous voyez, dans l'hymne à la patrie, la montée du drapeau, etc. Donc, la faculté de médecine de l'UNDH, en tant qu'institution catholique, donc nous avons pas mal de dévotions, beaucoup de cérémonies, beaucoup d'activités. Donc, M. Gérard Chéri n'est jamais fatigué. Il est toujours là pour la FMSS et les étudiants l'aimaient beaucoup, de même que les dirigeants de la faculté. Donc, ceci témoigne, donc la cérémonie que vous venez d'assister là, témoigne de l'affection, de l'amour qu'on a développé pour M. Gérard Chéri. Ok, donc, pour me présenter, je suis le docteur Stella Roche-Merger, je suis la doyenne de la faculté de médecine de l'Université Notre-Dame d'Haïti. C'est tout, c'est ça, donc je suis la doyenne et en qualité de doyenne, je rencontre assez souvent M. Gérard Chéri pour les événements qui doivent se produire à la faculté. Comment j'ai rencontré le maestro, comme je l'ai dit, jeune de la faculté, était déjà là, je l'ai connu depuis longtemps. J'étais encore jeune, le maestro était jeune, était à Fatima, j'ai une voisine qui était dans la même chorale que le maestro, je le voyais régulièrement tout le temps. J'ai connu Gérard, jeune chanteur, même avant sa notoriété. Et comme je disais, il n'a pas changé, il est resté de Gérard Chéri, simple homme que l'on connaît. Et quand j'ai appris sa mort, je n'étais pas ici, j'étais à l'étranger. Il y a un employé d'ici qui m'appelle, me dit, est-ce que vous connaissez ce qui s'est passé? Je me dis, ça s'est passé. Il dit, docteur, monsieur Chéri, ça ne veut rien. Il dit, monsieur Chéri, mourir. Je veux dire comme le père, comme monsieur Ligodé.
Je suis resté un moment sidéré parce que je ne m'attendais pas à ça, parce qu'on a eu une célébration le 21 décembre et je remercie le ciel qu'on a eu cette célébration le 21 parce qu'on avait la cérémonie de la Rose Blanche que je voulais renvoyer pour janvier. Je dis non, on va le faire maintenant. Parce que c'est Chéri qui organise toujours ça, qui chante, qui prépare les étudiants. Donc on a eu cette célébration le 21 décembre et à cette célébration, on a voulu aussi honorer tous les gens qui sont là depuis la fondation de la faculté. Et M. Chéri faisait partie de ces gens qui avaient près de 25 ans. Donc on lui a donné une plaque. Et de cette plaque, je lui disais que nous apprécions son dévouement. Et c'est lui qui est là, qui fait notre travail. C'est lui qui est là le matin avec son micro, qui rassemble les étudiants, qui font la prière. Je leur dis, c'est M. Chéri, l'âme de l'Église catholique dans la faculté. C'est lui qui met la faculté en branle. Nous ne sommes pas là, lui, il est déjà là. Donc c'est comme a dit le visuel, c'est une perte énorme. Je vois pas qui va pouvoir faire ce travail maintenant après le départ de M. Chéri. Je remercie sincèrement et Radio Télé Petite Maman Marie qui vous êtes ici. Bon, on vous suit régulièrement, je vous suis régulièrement, toutes les messes. Donc on se connaît à travers les caméras. Quand personne dit toute caméra ça, donc je suis là. Donc je vous remercie infiniment d'être là, de faire passer pour nous ce message, notre tristesse avec la mort de M. Gérard Chéri. Les lèvres tapent ravagées, nous t'aimerons au maman pour venir guérir nous. Nous voulons dire ou merci, maman, bébé Thiel. Je dis à maman, nous dis ou merci, tout ça en fait pour nous. Je dis à maman, bébé Thiel, pour nous remettre en même pays. L'aime senti nos dangers. Nous la guéconne nous va où pour protéger nous. L'amour bon Dieu, pas de jambes.